La fibromyalgie, vous savez maintenant ce que c'est, puisque vous avez tourné dans un court-métrage. Ça a été reconnu depuis 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est un syndrome chronique qui est caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, qui entraîne malheureusement une perte d'autonomie et une perte de qualité de vie. Cependant, la fibromyalgie reste encore mal connue et mal comprise, alors qu'en France, elle représente 2 millions de personnes qui sont atteintes de ce syndrome. En Europe, c'est 14 millions de personnes. Et sur la population mondiale, ça représente 2%. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez-les le 12 mai pour la journée mondiale de la fibromyalgie.